Bonjour, Romain Power, j'ai 22 ans et je suis étudiant en deuxième année de gestion des entreprises et administration à Toulouse sur le site de Hangueil en option gestion comptable et financière. Donc en fait, mes études de lycée se sont passées un peu différemment que de manière générale. En fait, après ma seconde, je suis parti donc un an au Mexique grâce au Rotary. Donc j'étais là-bas tout seul et c'était vraiment dans l'idée d'apprendre la langue, d'apporter sa culture, d'être un peu un ambassadeur. Et c'était pas du tout un enjeu éducatif. Donc c'était déjà une première année de perdu, en quelque sorte. Et après ça, je suis revenu donc à côté de Nice pour finir mes années de lycée en passant un bac économique et social que j'ai obtenu. J'ai aussi obtenu un bac espagnol en parallèle. Donc j'étais vraiment dans une école assez internationale, ouverte aux cultures. Donc après le bac, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter et j'ai entendu parler d'une formation en gestion des entreprises et administration qui permettait en fait d'appréhender le monde de l'entreprise dans sa globalité. Donc j'avais pas forcément idée de ce que je voulais faire et ça me plaisait pas mal. Donc j'ai choisi cette formation, j'ai été pris en premier choix sur mon orientation, je sais, Parcoursup, je crois que ça s'appelait. Et donc je suis arrivé à Toulouse, nouvelle ville, pour une formation que je connaissais pas trop. Et donc au niveau des matières, en fait, on a plein de matières dans des domaines différents, ce qui fait qu'on a de quoi se spécialiser par la suite. On découvre plein de choses, on peut voir ce qu'on aime, ce qu'on aime moins, et on pourra ensuite faire plus d'heures sur ce qu'on aime. Donc la première année, c'est une année générale, il n'y a pas d'option. La deuxième année, donc j'avais choisi l'option gestion et management des organisations. Donc c'est plus pour la gestion de projet, le management en général. Et j'ai eu pas mal d'absences non justifiées, ce qui fait que j'ai redoublé. Donc j'avais les notes, mais malheureusement en IUT, on a une responsabilité, c'est la présence. Donc si vous ne répondez pas, malheureusement ça ne passe pas. Donc j'ai redoublé et cette fois j'ai choisi l'option gestion des comptables et financières. Donc là c'est des matières plus mathématiques qui peuvent mener à des métiers pour la finance, le contrôle de gestion ou la comptabilité. Et je ne connaissais pas non plus vraiment tout ça et ça me plaît beaucoup plus. Donc cette année j'ai pas d'absence, j'ai des très bonnes notes. Là j'étais troisième de la promo pour le dernier semestre. Comme quoi, jamais rien n'est perdu. Et donc pour l'année prochaine, je compte me diriger vers une licence 3 comptabilité contrôle à TSM, Toulouse School of Management. Et potentiellement faire un master, et éventuellement des études pour faire expert comptable ou travailler dans la finance. Donc encore une fois, ça c'est des métiers que je connaissais pas du tout en sortie post-bac, mais que maintenant je connais un peu plus. On a eu des rencontres professionnelles, on a eu beaucoup de professionnels donc, qui viennent nous parler de ce qu'ils font, ce qui fait qu'on peut vraiment mieux comprendre le quotidien de ces métiers.